bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House. On se retrouve avec notre compagnie un peu diminuée, on va pas se mentir, on est plus que 6 sur 10, donc vu qu'on vient juste de faire la quête pour être 10, autant dire qu'on a un peu perdu de force de frappe, mais c'est pas très grave, on va essayer de se refaire. On a toujours la quête, on va essayer de la faire avec les vétérans qui nous restent, on va voir si ça passe. On va prendre 3 popos et des outils. Et c'est parti, en avant. On a quand même un bon DPS hein, avec les gens qui nous restent. Donc on a des bonnes chances de réussir. On a gardé l'or. Par contre c'est un nouveau donjon. Ça aurait été sympa que ce soit le même donjon et qu'on puisse faire quelque chose pour récupérer peut-être notre stuff ou ce genre de choses. Alors, on pourrait éventuellement défoncer ces deux-là, enfin celui-là du coup en l'occurrence, ces deux-là, assez rapidement. Je crois qu'on a deux pugilistes, qui vont donc jouer très vite et avoir quand même un assez bon DPS. On pourrait aller derrière celui-là, ouais ça me paraît bien. Bon, le DPS ça reste relatif quand même hein. Au moins on se met derrière, on tape, donc c'est lui qui joue, hein, ouais, donc c'est le plus costaud, on s'approche, et on le finit, ok, un de moins déjà, oh la vache cette vitesse putain, alors triple attaque elle fait tellement mal aussi, on va éviter d'être cerné si on peut. Un petit coup critique pour commencer le combat par Guacamolka, ça fait toujours plaisir. Ah putain, il est capable de nous bouger lui. Aïe, aïe, et aïe. Et re-aïe. Ça a piqué, lui il va nous faire mal encore. Aïe, aïe, ok, on est mi-life, ça y est, ça commence à partir en sucette déjà. On pourrait le repousser, mais on foutrait un coup à notre pote. On a pas mal de soins, hein, puis on a la possibilité de faire des petits trucs comme ça là. Histoire de défoncer un peu les gens désagréables. Alors là si on le repousse, on va le repousser sur notre copain. Cela dit on pourrait aussi le tuer tout simplement. On va faire ça, ça va enlever un petit peu de déjà de cernement si on peut dire ça. Mais ils vont sans doute pas bouger, on va leur balancer une volée. Ça devrait aller assez rapidement. Oh putain, un coup critique. Oh la vache, 3 x 92, ça fait tellement mal aux fesses. Ici on est capable de faire ça, ça fait pas masse de dégâts, c'est dommage. Enfin, tout relatif, on va dire qu'on les tue pas quoi. Oh le coup critique, putain. Pff, oh là là, Guacamolka qui est à terre au premier fight quoi. En plus lui avec sa triple attaque il enlève 3 trucs. Mais ils font pas de triple attaque sur cela, c'est intéressant. Pourquoi je ne sais pas. On pourrait aller là en échange d'un dégât. On va diminuer le DPS. En plus on peut mettre un coup à côté. Si je veux faire une healing trance. Ouais mais ça m'envoie après tout leur combat donc non ça sert à rien. Là on peut mettre un petit coup de pied par contre. Même si ça reste relatif en termes d'utilité. On va diminuer le DPS. Voilà, 2 morts. Par contre, 1 bleed, 2 bleed out là. Ça va être tendu du string. Elle brûle en plus. Cette violence. On a une blessure, ouais faut aller relever sinon elle va perdre son bleed out direct. Allez. Là il va être mis à terre. Voilà. Oh non elle a brûlé, elle est morte. Comment ça sent la fin de run à la Battle Brothers cette histoire, c'est impressionnant quoi. Putain ça se passait super bien tranquille et là, d'un coup,
C'est la grosse merde. Et en plus, on prend une un malus d'embuscade, quoi. Waouh, la vache. Bon. Va continuer, hein, pendant qu'on est là. Un fight ici et là. Un coffre. Et on fait quoi? J'ai l'impression qu'on prend plus de fatigue. Ah, on a trouvé une clé. Ok. Increase post-mission fatigue. Bah, on va déjà essayer de revenir en vie de la post-mission. On n'a pas de bandage. On est bien dans le mal. Est-ce qu'on n'a pas chopé un bandage d'ailleurs? Ok. Alors, réfléchissons. On pourrait se battre ici. Genre en mettant deux combattants là. Ils vont faire le tour également, hein, mais ils vont quand même mettre un petit peu de temps avant de faire le tour. Trop de proportions gardées. On va se mettre ici pour quand même mettre un premier tir. Non, on le voit même pas. On va reculer. On va faire de l'overwatch. Tant qu'ils vont par là, ça me va. Il y a le trou ici, donc il faudra qu'ils fassent un très grand tour pour revenir de toute façon. Ouais, tu tapes. Tu vas pas taper? Si, si, tu tapes. Hein. Non, mais il n'y a pas de je veux pas. C'est tu tapes. Ici, du coup, on va prendre le Battle Instinct, ça fera pas de mal. Alors, on attend. On attend. Ici. Une volée, non. On va reprendre l'Overwatch. Fait le taf. Ok, on se prend carrément un bon vieux coup critique des familles. En même temps, notre morale est complètement tombée. Je pense qu'on peut dire ça. Tu vas taper. Ici aussi tu tapes. Tu retapes. Et toi tu vas te téléporter et finir celui-là. Voilà. Et on prend quand même des dégâts pas neutres. Hein. On va reprendre un Overwatch. Ok. Ok. On a plus d'Overwatch après. Hein. Alors toi tu vas prendre la place et finir celui-ci. Là on va faire une petite healing trance. Caler une flèche. Ok. Il se disperse. Ça va plutôt bien. Bim. Et bim. Et la flèche. Voilà. On remonte un petit peu notre morale, si on peut dire. Ça passe, mais... On voit bien l'utilité du terrain. Hein. Alors, plus de finesse, on prend une nouvelle compétence. Restraining Order. Alors... Un ennemi adjacent et on s'éloigne de sa position, ok, pourquoi pas. Non, ça c'est mieux. Potency, potency, plus 1 de charge, même si ça nous la charge pas. Va falloir qu'on prenne un peu de ça. Même si, voilà, c'est histoire de dire. Ah, la porte avec la clé. Qu'est-ce qu'on a eu?
Ok, on récupère un petit break, comme quoi c'est pas si mal. Alors, la clé, ça s'ouvre. Très bien. On scout. Putain, il est immense le truc, quoi, et on sait absolument pas où sont les ors. C'est tellement tendu. Deux coffres. Un petit snatchel. Un bandage, ça c'est bon ça. On va tout de suite l'utiliser. Ah, ça les stabilise tous avec un bandage. Ah, ça c'est cool, je m'attendais pas. Parfait, les pièges font deux fois plus de dommages. Parce que, après tout, ça se passait bien. Ok, un coffre. 3 d'iron. Ça a dû être laissé derrière quand la mine a été abandonnée. Notre employeur va certainement être content de le voir. Certes. On ouvre la clé. Ok, très bien. On peut scout maintenant. Oh non, je suis con, c'est juste... Ah putain, il y en a un là. On prend. Ah non, on repart à 1. Mais oui, parce qu'après tout, c'était trop facile. Oh non, la désorganisation. Putain, c'est le pire possible. C'est le pire possible. Surtout dans notre condition. Bon, ça va parce qu'on est rapide, donc on va de toute façon jouer en premier. Là, c'est la merde. Le terrain est bien merdique. On va bien pouvoir se faire cerner. On va reculer. On va lancer notre instinct de bataille. Et toi, faut que tu recules par contre. Y a pas moyen. Là, j'aurais peut-être pu prendre la compétence qui... On le fera après. La compétence qui met le saignement, est-ce qu'ils sont immunisés au saignement? A priori, personne n'est immunisé au saignement. Bah, toi, du coup, tu gardes. Et toi, t'affûtes tes flèches. Combien de mouvements? 4 de mouvement, donc il va nous choper. Le problème c'est que si on y va, on va vraiment se faire défoncer la tronche. On va devoir entendre. Ici, on n'a pas d'overwatch malheureusement, mais dès qu'il sera approché, on va pouvoir se faire plaisir. Donc il va taper là. Et bim. Et il a réussi à nous mettre le saignement, putain. C'est tellement tendu. Je vais là, je traverse. Je vais là, je le traverse. Bof. Bon, on va cogner, hein. On cogne un peu plus fort. On va aller là. Caler une double flèche sur lui. Et du coup, on va se téléporter ici et tuer celui-là. On va le finir, tant pis pour le saignement, hein. On n'est pas là pour une petite flèche tout loin. Ok, viens entre nous deux. Très bien. Pas s'en plaindre, les autres sont beaucoup plus lents, on devrait avoir le temps de taper un peu sur celui-là. Putain, on fait tellement de pas de dégâts aussi, ils deviennent être tellement costauds d'un coup là. Ok, ça passe. Enfin, c'est pas grave, hein, un run doit s'arrêter un jour. Hein. Malvin prend bien cher. Ah, il nous a éloigné, le con. Aïe, aïe, aïe. Un petit coup de pied rotatif, ça me paraît pas mal, là. Ouh. Oh, 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 oui. C'est bon, ça. C'est très, très bon. On est dans son dos direct, et on cogne.
Hop. Hop. On le tue pas, t'es sérieux? Ah la vache, on va prendre une attaque pour rien quoi. Dommage. Ça va, on s'en sort super bien, on a trouvé une potion médium. Alors, le physique, et t'as droit à une nouvelle compétence. Pourra stabiliser les blessures, ça me paraît plutôt pas mal. Ah, on a des points à dépenser. Plus de charge pour ça. Prends la potion, bien sûr. Bon, là, il va falloir qu'on campe. 20% de chance d'embuscade. Si on met là, on passe à 15%. On prend ça, on prend ça. Le moral, il nous faut du moral. Ouais, mais pff, seulement 10 de moral pour aucun truc secondaire. Non, c'est nul. C'est trop nul. On va prendre le harvest, même si j'y crois pas trop à la fin de mission là. On va camper en espérant pas prendre de combat. Ok, c'est bon, c'est passé, on a récupéré un peu de vie. Ah t'es sérieux, on va tourner en rond? Non, ok, on peut repartir par là. Non, c'était un cul-de-sac cette façon. Un truc, attention. On a toujours nos outils, on les a pas perdus. Et un combat. Alors, ici il n'y a pas de passage. Ici il y a un passage. Sauf qu'avec l'autre saloperie qui nous bouge là, on peut pas se permettre vraiment de le prendre là en vrai. Allez. On n'a même pas récupéré toutes nos charges quoi. C'est tellement mal aux fesses. On va attendre. Alors eux, j'espère qu'ils ont pas un truc pour sauter ou une compétence du genre, hein, parce que ça sera embêtant. On va pas se mentir. Alors, on pourrait se téléporter et buter celui-là, ça me paraît plutôt un bon plan, tant la one shot du coup, tant qu'à faire. Alors... on fait 50% de dommages sur celui-là, donc faut qu'on bouge. Ah oui, non, c'est vrai, on avait attendu, donc ça sert à rien. On va affûter. Attends, on a rechargé le truc pour affûter, quoi. Super utile, je suis content d'avoir. Je suis content avec ça. Hyper content. On pourrait aller ici, mettre un petit coup de pied, c'est plutôt pas mal. On pousse un dans un trou, l'autre contre le mur. Venir là. Bah, finir celui-ci, tant pis, il reste en PV, mais bon. On va se rapprocher. Allez, on tue celui-là. Dommage, il fallait les deux flèches pour le tuer, j'espérais qu'on puisse mettre une flèche ailleurs. L'esquive fait plaisir, on va pas se mentir. Malvin, il encaisse un peu mieux quand même. Ok, on a mis les flammes. On termine ce con. Voilà, parfait. Ici, un petit coup de pied. Pff, c'est pas très utile, ça fait quand même des dégâts. Hein. Sur un coup critique, on fait bien mal. On va mettre un saignement à lui, parce que je l'aime pas. Là, par contre, là, on est flanqué. On perd toute notre esquive, y a pas moyen. Allez, bim, le coup de pied. Bim, le coup de pied. La flèche. Aïe, on souffre. On cogne ici. Est-ce qu'on calerait pas une petite transe? C'est beaucoup trop long. On peut finir le combat, ça me paraît plus indiqué. Alors, niveau finesse, t'es parti toi. Bah, on va continuer dans le finesse, hein. Et on va te prendre le Battle Instinct. Ah, et on a des points. Est-ce qu'on peut
augmenter, voilà, la vitesse du channel speed up, c'est pas mal. On prend le loot. Ça c'est quoi? Mortal Reminder. Oh! Putain, il se retrouve avec des bleed out. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Oh, on a une armure qui est cassée. Qui c'est qui a une armure cassée? Ah non, c'est l'armure de... L'armure d'Akatsukuet qui est cassée. Très bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi pour remonter les bleed out? T'es marrant. Oh la vache quoi. Le jeu qui te défonce le cul. Ah, on trouve un autre black ore ici. Heureusement on a toujours nos outils, c'est toujours ça de prix, hein, on va pas se plaindre. Un fight. Bah go. Oh putain, en plus il est hyper mal placé. J'adore. On a en bouche les ennemis, ça c'est bon par contre. On va du coup aller ici. On y va, on s'en fout, on fonce, c'est la fin de toute façon. On met un gros coup de pied dans le tas. Lui, on va aller là. On se téléporte. On le défonce. Là, on va aller ici. Caler une volée. Toc. Ici. On y va comme un sac. On a foutre. Dans le tas les gars, pas là pour glander. L'objectif c'est de les fixer. Oh on les a même pas tués quoi. Aminou il va se faire frapper là. Hein. Ok il est à terre. On a plus la double flèche et ça c'est bien dommage. En plus on a un bled out avec... brutalité. On est retombé à terre, pourquoi? Ah oui, parce qu'on prend des dégâts avec ce truc là. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est la merde. Tellement de dégâts, ils ont tellement de dégâts, putain. On peut éliminer lui, ça fera au moins ça de prix. Voilà. On n'a plus qu'un bleed out, il va se faire défoncer. Ok, il est mort. Aminou décède. Aminou décède. J'ai en plus, c'est lui qui avait le truc pour stabiliser les injuries, donc... Donc là, il faut qu'il se prenne des dégâts fatales, hein, mais ça va venir, je pense. Putain, il nous aveugle en plus. Ah oh, mais on fait tellement rien comme dégâts, on va le repousser sur son pote. Tu fais des dégâts à Poslovich, comment ça se fait? J'ai pas compris là. On va le finir, ça fait toujours ça de prix. Oh le coup critique, putain, en plus on est... Oh, faut qu'on aille là. On pourrait se faire un healing trance. On va faire du dégât. Ah, un coup critique de Poslovich, ça, ça fait toujours plaisir. Je peux aller dans son dos, ça c'est cool. Bim. Et rebim. Ok. Ça passe, hein. Ça passe, ça passe en, enfin, en façon de parler. Hein. Ah, et on perd un truc, on a perdu une potion. On perd une potion, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Popo, popo. On est plus que deux, on est pas mal comme ça, je pense. Et on a un fight. Allez, go! Alors, on pourrait prendre le combat là. C'est kiff kiff ici en même temps. Ils sont tous assez lents sauf lui, donc on va le prendre là, je pense, le fight. On va tanker avec Malvin et on va commencer à faire des dégâts ici.
Alors ils sont assez lents, donc l'Overwatch va pas être très utile. On va commencer par une flèche classique. On mettra peut-être un Overwatch après. À quoi qu'on va devoir aller les chercher de toute façon avec Malvin. Hein. Ouais, on va aller les chercher. Je pourrais aller là, mettre un coup de pied, c'est pas mal. Voilà, on fait un petit peu de dégâts là. Et là du coup un petit Overwatch sera pas inutile puisqu'ils vont être obligés de s'approcher de toute façon. Bon après c'est que deux hein. Oh le fumier. Bon ok, très bien, il m'évite d'en avoir à sortir moi-même. Alors il devrait être silencieux lui aussi hein. Je suis un peu de... tristesse là. Alors on burn. Et on peut mettre un petit coup de pied rotatif critique et ça c'est toujours plaisant. S'il faut qu'on se dégage de ce truc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand chose hein. On va essayer de buter celui qui est dans notre dos parce qu'il va foutre la merde. Très bien. Ça c'est la merde. Ah putain, il n'a pas pu attaquer, ok, je sais pas pourquoi. On brûle en plus, ah là là, on est à terre. On peut utiliser plus aucune compétence et on peut pas se barrer. Et on se rate en plus, parce qu'après tout, ça se passait plutôt bien. Pourquoi s'emmerder? Aïe aïe aïe. Ok. Et c'est la fin de Malvin. Est-ce qu'on va au moins pouvoir emporter quelqu'un dans la mort? C'est même pas dit. Ok. Et ben, on s'est fait défoncer ce run sur une mission à 3 crânes là. Sachant qu'il y en a deux autres. Je sens quand même un petit déséquilibre dans le jeu à cet endroit là. Mais bon, parce qu'on avait quand même des gens quasiment niveau max, hein, je crois que c'est 10 le niveau max. Mais bon, bah du coup, je pense que ça signe la fin de notre run hein, à la Battle Brother. On s'est fait dépouiller la tronche. Du coup, on va s'arrêter là pour cette série. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Le jeu est toujours en Early Access, hein, donc il y a du déséquilibrage à faire, des trucs à changer, des nouvelles classes à sortir. On y reviendra, je pense, quand il aura avancé un petit peu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez en voir plus. Même si c'est plus tard. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'ici.